Mesdames et messieurs les invités, chères landvériennes et chers landvériens, chers amis, depuis 1879, la Landvère fête les rois. J'ai ainsi le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la 140e soirée des rois de la Landvère, musique officielle de l'État et de la ville de Fribourg. Vous êtes 250 personnes présentes ce soir dans notre salle Henri Renevet. Soyez toutes et tous les bienvenus. Im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie alle und danke Ihnen für Ihre Teilnahme zu dieser neuen Ausgabe unseres jährlichen Festes. Wir sind sehr empfänglich für Ihre Unterstützung und Ihre Freundschaft gegenüber unserer Gesellschaft. Comme de coutume, il m'appartient le privilège, en début de cette soirée, de vous présenter l'invité surprise. Dans sa carrière, notre invité surprise a eu l'opportunité de rencontrer d'innombrables personnalités du monde culturel. La liste est longue et je n'en cite que quelques-unes pêle-mêle. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Shakira, Yehudi Menuhin, Quincy Jones, Richard Gere, Johnny Clegg, Barbara Hendricks, Andrea Bocelli, Lionel Richie, Jane Fonda, Bono, ou encore Michael Jackson, Sharon Stone ou Angelina Jolie. Pêle-mêle, je vous l'avais dit. Une liste qui paraît bien hétéroclite pour savoir de qui je parle. Je vous l'accorde. Mais vous ne savez pas tout. Notre invité surprise est certainement l'auteur le plus publié en 2017, avec son livre vendu à plus de 1 million d'exemplaires à travers le monde. Mais étonnamment, la culture n'est pas son domaine de prédilection. Ni le sport, d'ailleurs, bien qu'il y ait excellé, lui qui a gravi les montagnes les plus hautes des Alpes d'Europe et participé à d'innombrables marathons, notamment proche de chez nous, avec ses 10 participations au marathon de l'Engadine. Notre invité surprise est en fait ingénieur en mécanique. Il est né en 1938 à Ravensburg, en Allemagne, d'une mère suisse et d'un père allemand, mais d'origine suisse. Il a été l'élève d'Henry Kissinger à Harvard, dont il est resté proche tout au long de sa vie. Mais avant Harvard, il a débuté sa formation en économie à l'université de Fribourg. Il a vécu son enfance en pleine guerre, ce qui a eu, selon lui, un grand impact sur sa vie. Oui, les habitants de Ravensburg souffraient des conséquences de cette affreuse guerre. Et lui, enfant, ne pouvait pas comprendre comment on pouvait se tuer et pourquoi la moitié des pères de sa classe étaient morts à la guerre. Il dit d'ailleurs régulièrement de ne jamais oublier cette enfance qui lui a appris la modestie et la gratitude d'avoir le respect pour les gens, peu importe leur vocation ou leur position sociale. Depuis ce moment-là, tout petit donc, il a cherché le moyen d'un monde meilleur et plus en paix. Après des études en Europe et aux États-Unis et après ses premières expériences professionnelles, notre invité surprise était convaincu qu'on était tous participants d'une communauté mutuellement interdépendante et que les conflits ne pouvaient se résorber que par le dialogue et non la confrontation. Notre invité surprise a ainsi construit, pierre par pierre, un édifice mondial important qui permet l'échange, indépendamment des croyances, des religions, des sexes ou des couleurs de peau. Dans son activité tout au long de sa vie, il a ainsi rencontré un nombre incalculable de personnalités du monde entier et d'horizons fort différents, toujours dans le but de les rapprocher et de trouver le moyen d'amener le dialogue. Ainsi, au niveau économique, je peux encore vous mentionner ses rencontres avec Bill Gates, Robert Murdoch, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Christine Lagarde ou les patrons de Shell, Unilever, Philips, Sony, Dell, Coca-Cola, Pepsi, Hewlett Packard, Google, YouTube, Wikipédia et j'en passe. Il est un proche de l'ancien patron de Nestlé, Peter Brabeck, mais aussi de son successeur, notre invité surprise 2014, Paul Bulcke. Au niveau politique, je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde dont il n'a pas rencontré les responsables, lui qui s'est mis à table avec Václav Havel en Tchécoslovaquie, Carlos Menem d'Argentine, Recep Tayyip Erdogan de Turquie ou Vladimir Poutine de Russie. Aux États-Unis avec Ronald Reagan, George Bush, père et fils, Al Gore, John Kerry, Bill Clinton ou Donald Trump. Plus près de chez nous en Europe, Mario Draghi ou en Angleterre, Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron. En Allemagne, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. En France, il a rencontré tous les présidents depuis Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Mais aussi sur les autres continents, il passe du temps, par exemple, avec les premiers ministres et présidents japonais, indiens, chinois et iraniens, notamment les personnes actuellement en poste, Shinzo Abe pour le Japon, Narendra Modi pour l'Inde, Xi Jinping pour la Chine ou Hassan Rouhani pour l'Iran. De nombreuses têtes couronnées, aussi Juan Carlos d'Espagne, le prince Albert de Monaco, le roi de Jordanie, mais aussi les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Il avait une affection particulière pour Nelson Mandela, avec qui il eut régulièrement l'occasion de parler de paix.
La paix dont il discute aussi à l'ONU avec Antonio Guterres, mais précédemment avec Kofi Annan et Ban Ki-moon. Notre invité surprise a permis de nombreuses discussions entre les deux Corées et dans le Moyen-Orient où il a rencontré à plusieurs reprises Yasser Arafat et Shimon Peres pour essayer de trouver une voie de paix. Il a permis en 1986 la rencontre entre Andreas Papandreou de Grèce et Turgut Özal de Turquie et a apporté une aide décisive à la réunification des deux Allemagnes. Tous ces contacts sont possibles grâce à une organisation fondée il y a plus de 40 ans. Son lancement a été amorcé avec son propre argent et par un emprunt qu'il a contracté à son nom. Année après année, l'organisation a grandi pour être composée aujourd'hui de plus de 600 collaboratrices et collaborateurs répartis entre le quartier général de Genève avec des bureaux à New York, Beijing et Tokyo et prochainement à San Francisco. Il est accompagné ce soir de son épouse qui fut sa première assistante dans cette longue aventure. Elle préside d'ailleurs une fondation portant leur nom de famille et dont l'objectif est le social entrepreneurship. Ils aiment côtoyer les jeunes qu'ils fréquentent régulièrement. Ils ont d'ailleurs fondé le Forum of Young Global Leaders, permettant à des jeunes leaders une plateforme d'échange et de formation, quelles que soient leurs origines sociales. Si notre invité surprise a peut-être le carnet d'adresses le plus impressionnant sur cette planète, car en activité depuis plus de 4 décennies et ayant vu passer de nombreux chefs d'État, il reste fidèle à la maxime de sa jeunesse à Ravensburg, la modestie et la gratitude. Oui, il passe du temps avec les plus grands de ce monde, mais il n'oublie pas les contacts simples et cordiaux, comme j'ai pu le vivre lors du déjeuner que j'ai eu l'occasion de partager avec lui et son épouse dans son bureau en mai dernier. Il nous fait l'honneur de sa présence à cette soirée des rois de la Lande Verte. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président fondateur du World Economic Forum et son épouse Hilde. Cher professeur Schwab, chère madame Schwab, c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir ici à Fribourg. J'en suis particulièrement honoré car je sais que c'est la première fois que vous acceptez un événement de cette nature, de surcroît une semaine avant le forum de Davos, événement qui demande une préparation minutieuse et particulièrement cette année avec la venue annoncée du président des États-Unis. Alors vraiment du fond du cœur, un tout grand merci de votre présence et de la belle surprise de votre venue à notre soirée des rois. Professeur, vous suivez depuis un certain temps la 4e révolution technologique, thème de votre ouvrage, sorti de presse l'année dernière, de ses conséquences non seulement sur l'économie, mais également sur la société. Ce sujet intéresse également la Suisse et notre région de Fribourg. Le Conseil d'État fribourgeois en a fait un des thèmes principaux de sa législature et l'a même utilisé pour sa photo officielle 2018. Quel conseil pourriez-vous leur donner, nous donner ? Pour nous préparer à notre échelle à cette révolution. Et j'invite les gens à s'asseoir. Merci bien. Et je suis tellement heureux et honoré d'être ici. Et je m'excuse seulement que je n'étais pas capable d'amener déjà M. Trump
Ici, si c'était votre expectation ou attente, je dois vous décevoir. Mais en revenant à la quatrième révolution industrielle, d'ailleurs, ça va sortir un deuxième livre lundi prochain. Alors, c'est le bon moment d'en parler. Vous savez, quand j'ai écrit ce livre il y a 2 ans, j'ai mentionné toutes ces nouvelles technologies comme les drones, l'intelligence artificielle. Et je crois que j'ai décrit dans le livre 32 technologies différentes. Et si je me demande, qu'est-ce qu'est vraiment la différence de cette quatrième révolution avec les révolutions antérieures, c'est la vitesse. Parce que c'est comme une avalanche. Parce que si je regarde ce que j'ai décrit il y a 2 ans, c'était considéré comme science fiction. Et aujourd'hui, si vous regardez, si nous regardons ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, avec les drones, avec les voitures autoguidées, avec blockchain, c'est devenu réalité. Alors, la vitesse, il faut se préparer et il ne faut pas sous-estimer parce que ça va bouleverser cette révolution, la façon, pas seulement que nous produisons, mais aussi notre manière de vivre. Mon épouse et moi, nous avons visité Facebook il y a 18 ans. Et imaginez-vous, à ce moment-là, Facebook avait 18 collaborateurs. Alors, ça vous montre comment ça va vite. Et Facebook, ce n'est pas seulement devenu une grande entreprise avec une valeur de presque 500 milliards de dollars, mais ça a changé notre vie. Tous ces moyens ont changé les données, ça a changé notre vie. Alors, si de donner un conseil, si je devrais résumer, l'avenir ne va pas être la compétitivité d'un pays, d'une entreprise, d'un canton, ne va pas être déterminé par ce qu'on appelle le capital ou d'autres facteurs, ça va être déterminé par le talent. Et je m'exprime quelquefois en disant le talentisme va remplacer le capitalisme. Alors, il faut se préparer pour cette période où les talents sont l'avoir le plus prestigieux d'un pays, d'une entreprise. Et je sais, Fribourg est très bien positionné par sa location, mais Fribourg, comme vous avez dit, comme on a dit dans l'introduction, j'ai passé aussi quelques années ici pour mes études et je me sens dans un certain sens fribourgeois. Je sais que l'université et je sais c'est là où d'ailleurs j'ai appris mon mauvais français. si j'ai un Fribourg, wo ich wirklich auch sehr tiefe Bezirk zu der ländlichen Schweiz entwickelt haben. Und ich habe große Hochachtung für das, was Fribourg heute noch bedeutet, dans le tissu suisse. Merci. Madame Schwab, vous présidez la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette fondation? Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous dire merci. Comme le président vous a dit quand il m'a annoncé, j'ai rencontré beaucoup de leaders culturels, des stars de Hollywood,
Mais l'accueil qui nous a été fait aujourd'hui avec ce tour d'honneur dans la salle, ça m'a beaucoup émue. Merci. Nous sommes vraiment très contents d'être ici. La Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social a été créée pour intégrer les gens qui font une organisation avec un but social dans les travaux du World Economic Forum. Comme vous savez, à Davos et ailleurs, les décideurs de la politique, des entreprises, de la société civile, etc., se réunissent. Et j'ai toujours pensé qu'il manquait quelque chose, c'est-à-dire les gens qui travaillent à la base et justement qui se soucient d'améliorer la vie des personnes, surtout dans les pays en voie de développement. Donc, ils travaillent avec leurs organisations, ils travaillent dans la santé, l'éducation, le développement agricole, etc. Et pendant l'année, donc, ils joignent le forum et ses travaux, les réunions, et donc on les choisit pour qu'ils puissent, donc ils doivent être déjà être arrivés à un certain niveau pour pouvoir travailler avec des chefs d'entreprise que nous accueillons à Davos et les gouvernements. Et c'est très important pour eux de les rencontrer pour pouvoir continuer dans leur mission.